Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ferme du vieux. Voilà, voilà, walou walou. Allez, on est parti pour faire de l'épandage. Alors, on fait un petit tour. Attendez, bougez pas, je charge mon tracteur. Les moissons, elles sont finies. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. J'ai tout moissonné. J'ai commencé à déchaumer un petit peu le champ 27. Voilà. Voilà, le champ 27. Bon, c'est pareil, il faut que j'y mette un petit peu d'engrais. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de moissonner le soja. Donc, ben, je le ferai en off. Voilà, donc l'objectif c'est de récupérer un maximum de pognon. Il faut qu'on trouve de la thune. Il faut qu'on trouve de la thune parce que je veux acheter le semoir. Ce semoir là, je ne retrouve plus. Le voici, le voilà, le voilà. Le Lemken. Le Lemken. Celui-là, depuis que Farming existe, je crois qu'il a toujours été. Et je crois que celui-là, c'est mon semoir préféré, ça. Voilà, c'est celui-là que je veux, mais bon, il fait 43 000 et moi j'ai que 977. On va dire que je suis un petit peu fauché quand même. Voilà, mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Parce qu'on a fait les stocks. On a fait les stocks, on a fait les stocks. Donc, du coup, voilà. Donc, je reprends mon petit Massey Ferguson avec la benne Le Maître aussi, qui est sortie il y a pas très longtemps. Voilà. Voilà, voilà. Oulou, oulou. Bon, mon Massey, apparemment, il fait un peu la tronche quand même, hein. La benne apaise un peu. Bon, allez. Allons-y gaiement. On va aller épandre du fumier à côté du magasin. Là où il y avait du soja, il me semble. Donc du coup, on va aller épandre un petit peu de merlasse là-bas. J'ai stocké mes ballots de paille là, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, ils sont stockés là. Faut que j'aille acheter quelques vaches aussi. Faut que j'aille acheter des vaches, parce que j'ai toujours pas de vaches. Ce serait bien d'avoir des vaches. Pour l'instant, le fumier, c'est un voisin qui me l'amène, hein. On dira ça comme ça. Voilà. Bon, en attendant, hein, voilà. Hein. Bon, on fait comme on peut. On fait pas comme on veut. Allez, go, on est parti. Bon, ben, j'espère que la semaine s'est bien passée, que le week-end aussi, voilà, que tout s'est bien passé pour vous. Que la petite vidéo sur la lotoise, ça vous a plu. Je pense que oui. Voilà, voilà. Ça, c'est magnifique. Donc on se retrouve en live, on va se retrouver en live, vous inquiétez pas, hein. Voilà. Allez, là c'est le champ à côté là qu'on va faire le 6 là, le champ 6. Voilà, allez, on va épandre un petit peu de ça, hop. On va essayer de pas trop se vautrer quand même. Voilà. Avec l'épandeur Le Maître, allez, on ouvre la cabane. Et on y met de la mielasse. Allez. En plus, je sais pas, mais c'est moi ou. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Oui, il y a de la fumée qui sort. C'est cool ça. Voilà, impeccable. On a toute la fumée qui sort. Magnifique. Voilà, bah, je le fais parce que celui-là qui s'occupe de mes champs, bah, lui, il l'a fait aussi. Donc, bah, j'ai dit, bah, ça va être l'époque. Donc, du coup, j'ai dit, bah, je fais une petite vidéo. Voilà, un petit épandage. Comme mon voisin, enfin comme le gars qui s'occupe du champ qui est juste à côté de chez moi là. Voilà, comme ça, au moins, on est top. Voilà, bon, ben, c'est impeccable ça. Ben, je peux vous garantir qu'il en a mis, mais il en a pas mis qu'un peu. Hein. Ben, Dios, ça pouire, ça pouire. Bon, maintenant c'est bon, il l'a retourné, il a mis à côté des chômeurs. Déjà, ça va quand même pas mal. Donc là, du coup, ouais, c'est pareil. Je sais pas si c'est ce mode qu'il fait ou pas. Je vais vous faire voir un truc. Dans le F1, on regarde bien en haut à gauche. Activer le taux d'application doublé. Moi, je vais l'activer pour voir la différence. Voilà, j'ai activé le taux d'application. Alors, je sais pas, c'est le mode qui fait ça ou c'est comme ça son farming. Marrant, j'ai pas le souvenir de ça en fait. J'ai pas le souvenir. Mais bon, c'est peut-être moi, hein. Hein, vous comprenez bien que, hein, depuis le temps, hein, voilà, allez, on est parti. Et du coup, ça va manger bien plus que je le pensais. On va consommer énormément de fumier. Donc, là, on va se faire un champ tranquillement. Après, on va aller recharger
On va aller recharger les bordeurs. Essaye de pas trop en oublier quand même, ce serait quand même pas mal. Voilà. Et peut-être qu'en off, je ferai peut-être. J'irai peut-être faire une vente. Je sais pas encore. Parce que, bah, si je veux acheter mon Smoer pour la prochaine saison, il faut que Pépère se décide quand même. Hein. Alors, vous allez voir, je vais pas avoir assez, 20 douce. Ah, puis je t'en mets une petite couche sur l'autre. Bah, disons, le voisin va être content, tiens. Hein. Je te dis que ça. Moi. Bon, bah, il n'y aura plus qu'à aller recharger, je pense. On va aller recharger ça tranquillement. Hein. Sans trop faire de blagues. Hey. On va essayer, hein. Pas gagné, hein. Moi je vous le dis, hein. Moi je vous dis que ça c'est pas gagné les gars. Allez, on est parti. Voilà. Bon, faut en profiter, c'est pas souvent que je roule en Massey Ferguson, hein. Hashtag mauvaise ferraille, hein. Voilà, mais sur cette map, il va bien, il va bien sur cette map. Parce que le John Deere que j'ai, il est un petit peu mou du genou. Donc du coup, le Massey, il est... un peu plus puissant, il va un petit peu mieux pour faire ce style de travail. Voilà, je pense d'ailleurs, je pense que je vais peut-être revendre parce que j'ai du matériel à la ferme qui ne me sert pas grand-chose. J'ai entre autres... Ah oui, c'est vrai qu'on est en Angleterre. Ah oui. Oh, autant pour moi. Oh là, oh bah, voilà. Hashtag fail. Voilà. Ça devait arriver. Voilà, la reprise. C'est vrai que j'y pensais plus qu'ici, on était en Angleterre. Autant pour moi. Toutes mes excuses, chers amis, chers gens. Voilà. Quelle misère. Pourquoi mettre la circulation dans ce sens-là, bon Dieu? On peut pas la mettre comme tout le monde? C'est quand même un comble. Ah là 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 là. Bon, en même temps, c'est moi qui est pas bon. Faut qu'on se le dise. Là. Alors, toujours sur la même map. Hein, parce que, en fait, je l'aime bien, cette map-là. Donc, bah voilà. Hop là. Allez, on va essayer... de charger sans trop faire de bêtises. Comme vous me connaissez, c'est pas gagné. Voilà, allez. Par contre, c'est moi ou il braque pas cette saloperie de tracteur. Il a dit. Je te jure. Voilà. Bon, j'ai commencé à préparer un godet quand même parce que j'avais prévu le coup. Hein. J'ai dit, j'ai bien réussi à tomber en panne. What? Après, j'ai pas essayé, franchement. On va voir ce que ça donne. Mais je crains le pire. J'ai peur que mon tracteur il fasse une pirouette. Ah, pirouette. Oh là là, ce serait bien que j'y mette une masse derrière quand même. Hein. Bah bon, allez. Pour là, ça va peut-être le faire. Vivons dangereusement. Oh là là, oh les gars, moi je vous dis. Je crains le pire. Moi je crains le pire, les gars. Non, c'est bon? Tout a l'air de bien se passer. Hein. Là, on va éviter. Bon, en même temps, cette benne là, enfin, cet épandeur, je l'ai pas acheté, les gars. Hein. Il est juste en location. Alors, si on pouvait éviter de trop le casser, ce serait quand même pas mal. Hein. Oh là 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 là. Faites-moi penser quand même à acheter une masse. Hein. Ou tout à l'heure, tout à l'heure, quand je serai là-bas, j'irai acheter une masse, mais non, je peux pas. Ah, ben non. Ah, bah si, je pourrais peut-être l'atteler devant, je sais pas en fait si je peux atteler une masse devant pour pouvoir faire le transport de fumier et chercher la benne. Mm-hmm. Chercher la masse, je veux dire, pas la benne. Voilà. Bon, pour l'instant, on va dire que tout se passe pas trop mal. C'est un peu ce que j'avais prévu, donc pour l'instant tout va bien. Hop là. On va pas faire le terrassement, hein. Ça sert à rien. Bon, allez go. Allez mon petit. Oh là 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 là. J'ai dit qu'il fallait pas casser le tracteur. Hop, enfin pas le. Oh vin douce. Attendez. Moi qui veux pas casser des pendeurs, je crois que c'est raté. Hein. Ah, allez, si on y va doucement les gens, c'est possible. Allez. Oh, c'est pas possible. Ah, vous avez le droit de mettre des hashtag fail les gars. Ah, en même temps, c'est pas de ma faute, hein. C'est le massé qui est trop. Il est trop léger. Hein. En plus, je crois bien que j'ai même pas de masse à la ferme. Hein. J'aurais une masse encore à la ferme. Attendez, je dis ça, ça se trouve, j'en sais rien. Où c'est qu'on le voit ça? Non, c'est pas là, c'est là. Et non, vous voyez. Ah si, j'ai épandeur. Ah oui, tout ça c'est en location en fait.
Est-ce que j'ai une masse? Attendez, bougez pas. Laissez-moi regarder si j'ai pas une masse. Et ma masse, tu la veux ma masse? Outils, chargeuse. Non, mais j'ai pas de masse, les gars. J'ai pas de masse. Oh, ça craint du bois, ça quand même. Ça craint, hein? Non? Qu'est-ce que je peux y mettre derrière? Eh, vous croyez que si j'y mets la pique à balle avec une botte de paille, ça le ferait? Il y a bien qu'ils font ça, non? Il y a bien qu'ils mettent une botte de paille pour faire contrepoids, non? Ça se fait pas, ça? Oula, oula. Enfin bon, moi je prends un plaisir à vous tourner cette vidéo. C'est déjà quand même pas mal. Là, allez. Nom de Dieu. Les gars, on va passer une demi-heure à charger la benne. Comment faire une vidéo? Pas plus compliqué que ça, tu charges un dépanneur. Il est complètement taré le gars. Complètement secoué le type. Allez, bon. Ça m'embête hein, parce que j'aurais bien quand même finir le champ là-bas. Hein. Puis voir si je peux pas ramener une masse. Parce que là, si je dois me taper toutes les bennes comme ça, les gars, je suis pas sorti, hein. Là. Ouais, vas-y, le coq, maintenant il rentre dans le fumier, le coq. C'est pas possible, ça. C'est pas où se mettre. Bon, allez. Après, ouais, je pense qu'on va faire une petite vente. Sur la prochaine vidéo, on fera de la vente. On vendra les céréales, j'irai voir un peu ce qu'il y a à vendre. Et je vais vous faire voir de suite, là, le matériel que je voudrais... Après, voilà, après, si je vends l'ancien semoir que j'ai, peut-être que c'est jouable. À voir. On va regarder ça après. On va voir. Parce que j'ai un semoir. J'aurais bien le changer pour le solitaire neuf. Hop là. Le John Deere. Je vais peut-être le garder, le John Deere. Mais j'ai un autre tracteur à vendre aussi. Là, on va aller voir. On va aller voir ça. Je finis ça là. Et on va aller voir ce que je peux vendre. J'espère qu'il va pas trop rien me dire, hein, que je lui ai pété sa benne là, son dépanneur. C'est pour l'instant. Il en prend plein les mirettes le truc. Hein. Ah, allez. Va, alors, bon, il est pas encore plein cet appareil là. C'est long à remplir ça. Oula, 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 oula. Eh, vous avez vu un peu la maîtrise, les gars? Vous avez vu un peu cette maîtrise? Ça, c'est de la maîtrise. Hop là. Je vais pas vous le faire en vue intérieure parce que après, vous allez dire putain, qu'est-ce qu'il est pro quand même. Non. Il gère le steak, le gars. Il gère le steak. Et oui. Et oui, on essaye du moins. Hop là. Hop là. Bon, de toute façon, j'aurais pas assez de fumier pour tout faire. Hein. Il m'en a pas livré assez, le voisin. Si, puis après, faut acheter des vaches, les gens. Les gars, faut qu'on achète des vaches. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Hein, parce que bon, il est bien gentil, machin, mettre son fumier là, mais. C'est que c'est pas tout à fait gratuit quand même. Hein? Faut quand même pas déconner. Je crois que c'est plein les gars, je crois que c'est plein. Allez, c'est bon, allez, hop. On va éviter de faire trop de conneries. Je vais reposer le godet ici. Après on va aller voir ce que je... Putain, c'est le godet qui est lourd ou... Putain, la vie ou... Là, allez. Allons-y gaiement, je vais passer devant le matériel que je veux vendre. Vous allez... Ben non, vous allez pas me dire ce que je pense parce que ben, ça sert à rien. Et oublie pas de t'abonner et puis de liker. Oh putain, j'ai complètement oublié. Et de rejoindre aussi les serveurs Gportal aussi, tant que j'y pense. Hein. Allez, une petite pub pour Gportal. Tac, je te mettrai le lien aussi pour le DLC qui va sortir aussi avec le code Olivier en full majuscule. Ah bah il est là, attends, regarde, bouge pas. Il est là le truc que je veux vendre. Tu vas me dire ce que t'en penses.
Tu vois l'Amazone là qui est là, là. Oui, c'est un Amazone, je me trompe pas. En effet, monsieur, monsieur, bonjour. Voilà, c'est cet Amazone que je voudrais revendre. Voilà, je voudrais vendre l'Amazone. Bon, ça, la presse, je vais peut-être la garder quand même. La moissonneuse aussi, même si elle est vieille, qu'elle fait un bruit pas possible. Ça, c'est. Ça, je le garde aussi. Par contre, là-bas, alors, du coup, moi, je voudrais vendre l'Amazone. L'objectif, c'est de vendre l'Amazone. Il faudrait que je voie combien ça coûte. Et après, attends. Parce que les ballots de paille, moi, je voulais garder, puis en plus, ça rapporte rien, les ballots de paille entre nous, hein. Ensuite, j'ai quoi là? Comment ça se fait que j'en ai encore un ici là? Ah non, ça c'est un planteur ça. Est-ce que le planteur je le garde ou pas? Dans l'absolu, l'immédiat, j'en ai pas spécialement besoin. Donc à mon avis, ça c'est pareil. Les deux Amazones, je pourrais presque les vendre. Ce plateau, le ponge, c'est pareil, je vais le vendre parce que je pense que je vais prendre le plateau, comment il s'appelle? Le maître. Et ça, c'est pareil, je pense que je vais le revendre, le Massey 253, parce que à cette ferme, ben, j'en ai pas une grande utilité pour l'instant. Quitte à racheter un peu plus tard. Ben, ça, c'est pareil. Ça, ben, c'est pareil, je vais le revendre. En fait, tout ce qui est matériel Amazon, le Massey Ferguson, le 253, plus le plateau Ponge, je vais les revendre. Allez, on fait ça comme ça, les gars. Allez, on va se faire plaisir. On va regarder combien ça nous rapporte ça. Alors le petit tracteur, donc du coup on est à 977. Ok. Donc ça on va le vendre. Ok. J'ai dit que je voulais le vendre. Ok. Et ensuite j'ai dit que je voulais vendre le semoir. Alors ça je vais le vendre aussi. Yes. Ça se trouve qu'un petit coup de chance. La planteuse, je vais la vendre aussi. Alors, ça je vais le vendre. Oui. Ok. Ok. Et l'épandeur à engrais. Je vais le vendre aussi. Voilà, je pense qu'on a vendu tout ce que j'ai dit. J'ai rien oublié. Et du coup, est-ce qu'on aurait assez? Est-ce qu'on aurait assez pour le smoir? Où c'est qu'il est le truc? Est-ce qu'on aurait assez? Bah oui, on a 91 000, les gars. En fait, j'ai fait une bonne affaire en faisant ça. C'était pas spécialement prévu, mais bah voilà, c'est fait. Du coup, on va se l'acheter. Bah ouais, on se l'achète. Allez. Acheter. Voilà. Du coup, on s'est acheté. Bah... Ah, bah attendez, j'ai pas vendu ça non plus là. J'ai pas vendu ça. Là, où c'est que c'est déjà ça? Chargeuse de balles. Ça, je vais la vendre aussi. Vendre. Oui. Ok. Eh bien, c'est impeccable ça, les gars. Du coup, il me reste ma charrue que je pense que je vais m'en servir. Le culti. Ça, c'est pareil, je m'en sers. Eh ben voilà les gens! Eh, c'est merveilleux! On a acheté un nouveau semoir. Bah, je pensais pas le faire aujourd'hui en vidéo. Bah du coup, bah c'est fait. Hein. Bon, tu me diras après si je voudrais, je pourrais ramasser les petits objets qu'il y a par terre. Hein. Mais bon, j'attends d'être fauché pour les prendre. Ah ça va, il me reste. Eh, de 977 euros, on est passé à 62 876 euros. C'est magnifique, magnifique. Voilà. Donc ça, c'est top. Bien vu, mon petit. Tiens, toi. Là, ouais, t'excites pas, pépère. Hein. Allez. Et en plus, le gars qui s'occupe de mes terrains, là, il, c'est pareil. Il a, avec son épandeur, bon, c'était pas le maître. Hein. Je sais plus ce que c'était comme épandeur. Mais il l'avait fait avec un Massey Ferguson. Donc en fait, je suis complètement dans la réalité. Hop. Mais je pense que son épandeur, non, il était aussi grand que ça, je pense. Voilà, moi je suis bien content parce que j'ai acheté mon sommaire. Et ça, c'est cool. Franchement, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru que j'aurais pu me l'acheter là. Franchement, je suis assez surpris. Mais bon. C'est ainsi. Et quand on peut. On peut. J'aurais pas pu. On aurait travaillé un petit peu plus. Et j'ai toujours pas rangé mes balles de foin là-bas. D'ailleurs, ça serait bien que je pense à le faire aussi. Mais je suis à la bourre de partout. Je suis à la bourre de partout. C'est quand même dingue. Mais bon. On m'en voudra pas. Hein. Non. Je pense bien. Allez, attends. Je vais éviter.
de trop en gaspiller quand même, hein. Enfin oui, puis je dis ça et puis je remets par-dessus l'autre. Arrête de dire des conneries, ça ira plus vite. Hein. Qu'est-ce qu'il est couillon cet animal? Ah, j'aime bien ce fumé, mais il me semblait pas qu'avant ça fait. Faudrait que je prenne un mode du jeu pour voir, mais il me semblait pas qu'il y avait la fumée. Hein. Ah, ça m'a surpris quand je l'ai mis en route tout à l'heure, mais j'ai fait un essai pour voir s'il marchait le truc. Parce que vous savez, des fois avec les modes, hein, des fois, il peut y avoir des petits bugs, des conneries comme ça. Donc, j'ai dit, avant de passer pour un couillon, je vais quand même tester. Et c'est là que je m'en suis aperçu, j'ai dit, bah tiens, il y a de la fumée. Je trouve ça assez sympa. Bon, ça veut dire, s'il y a de la fumée, c'est que le truc, il est vachement frais. Hein. Parce qu'il me semble pas, quand il a fait ça, mon voisin, qu'il y avait de la fumée qui sortait. Mais bon, moi, je trouve que ça fait une petite animation supplémentaire. Je trouve ça sympa. Voilà. Tac. On essaie de faire ça bien, les gars. On essaye, j'ai dit. J'ai dit que j'essayais. Voilà. Bon, bah, moi, après, de mon côté, je vais continuer tranquillement. Je vais me faire tout méchant. Voilà. J'irai ramasser les balles de foin. Ah bah, j'avais même pas eu assez, gros. C'est une blague. Bon, de toute façon, je finirai en off, les amis. Vous inquiétez pas, ça sera fait dans les règles de l'art. Tiens, on va aller voir notre petit semoire, tranquillou. Attends, bouge pas. On va aller voir le petit semoire qu'on a acheté, quand même. Attends, ce que je vais faire... Ouais, bah ça, attends, bouge pas. Ça, je vais le laisser là en attendant. Parce que je me suis un petit peu embêté à le sortir, quand même, le basseringue. Voilà, j'ai des clés. Allez, hop, c'est des clés, c'est parti. Allez. Alors, voyons voir. Voyons voir comment il est, mon petit smoyer. Je ne l'ai pas essayé, hein, le truc. Hein. Je l'ai pris, machin. Tac. Faut voir si le massé Ferguson, j'espère qu'il va le tirer. Hein. J'ai pas fait gaffe par contre à la puissance qu'il fallait. Hop là, pousse-toi de la palette là. Oh, c'était un essai que j'ai fait tout à l'heure aussi là, vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. J'espère qu'il va pas lever. Ah oh, ça va hein. Ça va hein. Ah moi le solitaire 9, moi c'est mon smore préféré de farming. Hein. Ah, je l'adore ce solitaire 9 là. D'ailleurs, je crois que ceux qui me suivent depuis tout le temps, depuis toujours, j'ai rarement pas fait de vidéo sans. Tant qu'il n'était pas sorti. Eh bien, c'est impeccable. Mais quand même, hein, c'est, ça le mange un peu quand même, notre acteur. Hein, ça le mange. Bon, allez. Je vais récupérer ma bénette. Enfin, ma bénette. Mon épandeur. Et on va retourner à la ferme. Voilà, voilà, walou, walou. Alors, mon épandeur, je vais poser là tout à l'heure, hop. Je vais pas m'embêter à rentrer avec ça au magasin. L'autre après, il aurait cru que je le ramène. Alors que non, parce que j'ai pas fini mon boulot. Voilà, allez. Tac. Allez, on est reparti. On est reparti, il est où? Il est où? Voilà. Allez, on rentre à la ferme les gens. Puis moi j'ai continué ça de mon côté tranquillement. Du coup, il faut que je regarde la prochaine vidéo, ce sera le travail des champs. Hein, parce que il va bien falloir les travailler ces champs. Et en même temps, je vais aller récupérer mes bottes de foin qui sont là-bas aussi. Que j'oublie pas. Et du coup, je vais peut-être pouvoir acheter des vaches. Est-ce qu'on irait pas acheter des vaches des fois? Est-ce qu'on irait pas acheter quelques vaches ensemble, tant qu'on y est, hein, dans les achats. On a un petit peu de sous parce que je sens que d'ici quelques instants, j'aurai plus beaucoup de pognon. Attendez, on va aller s'acheter quelques vaches. Moi, je partirai, on va aller voir combien ça coûte une vache et on va regarder si on peut en mettre une vingtaine. Qu'au moins ça fasse quelque chose, quoi. Là, bon, ça, de toute façon, ça, je vais le mettre là. Ah, ça, c'est dételé, c'est magnifique. Voilà. Du coup, j'ai un petit peu moins de matériel à la ferme, mais c'est pas grave. Je préfère avoir du matériel autre que celui-là qu'il y avait. C'était le matériel de base, hein. Vous voyez, tout doucement, je change le matériel. Hein. Et ouais. Et oui, hop là. Allez, ça, on baisse ça. Je coupe le moteur, je descends du basseringue.
Je vais pas y aller en courant parce que j'ai peur de me péter une cheville. Là, alors, j'ouvre le truc. Moi, j'y mettrais bien quelques vaches déjà, les gars. R, est-ce qu'on y mettrait pas de... Parce que là, ouais, de toute façon, je cherche pas spécialement à faire du lait. Je cherche pas spécialement à faire du lait, donc je pense que une Holstein ou une limousine. Oh, j'aime bien les limousines, c'est sympa les limousines. Ouais, j'aime bien la limousine. Ah, je préfère prendre de la limousine à la limite. Je préfère prendre de la limousine. Et je voudrais en prendre, bah, peut-être pas 20 quand même. Combien? 60. 60 limousines, ça me coûte 21 000 euros. Ouais. Ouais, je suis un fou, moi. Bah tiens. Bah oui que je suis un fou. Allez, un petit cheptel. Allez, 60 vaches. Achetez. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, bah, travail supplémentaire. Ah, bah, nom de Dieu, elles sont là maintenant. Il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Maintenant, travail supplémentaire, m'occuper des vaches. Voilà. Voilà. Ration mélangée et tout le basse-fringue. Bon, du coup, maintenant, je ferme la clôture. Donc, ça, c'est fait, elles passeront plus par là. Ça, c'est gagné. Voilà. Mes poules, c'est pareil, il va peut-être falloir que j'en aie à manger, un de ces quatre, parce que j'ai posé ça sur une de mes vidéos, voilà. Donc du coup, j'ai toujours pas... Et puis là, bah voilà. Bon, bah je vais me faire ça tranquillement, les gens. Allez, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo qui est magnifiquement belle. Et je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de rejoindre le Discord, le Facebook. Tout ça, c'est dans la description, comme tu sais maintenant. Allez, sur ce... Bye bye!